Bonjour, aujourd'hui on est dans le Castillonnet, on va voir Pierre Vabre. Pierre Vabre, c'est un parent d'élève qui participe au CIV du Castillonnet. Il va nous parler de la problématique des écoles rurales. Pierre, bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui. Je m'appelle Pierre et je suis papa de 3 enfants. Et je suis aussi délégué pour ma commune auprès d'un CIV, CIV du Bas Castillonnet, qui est à côté, l'école du village d'à côté. Un CIV, c'est tout simplement une structure intercommunale qui va gérer une école pour l'ensemble des communes d'où viennent les enfants. Concrètement, ça consiste en quoi ? Alors, chaque commune va allouer une somme par enfant et par année pour que l'école à laquelle sont scolarisés les enfants de la commune puisse tourner. Voilà, l'État prend en charge le salaire des enseignants, mais tout le reste est à la charge des communes. Donc il faut une structure qui gère cet argent, qui gère les salaires des personnels qui vont intervenir dans l'école dans le cadre du périscolaire ou de l'ATSEM par exemple, et qui gère tout ce qui est matériel autour de l'école, les photocopies, les fournitures scolaires. Et le transport aussi ? Le transport non, le transport c'est toujours une compétence du département et sur ça le CIV n'a aucune compétence là-dessus. Et ça se passe comment aujourd'hui là dans les écoles rurales ? Alors, ce qui se passe, c'est que pour financer et pour faire tourner des écoles, il y a des écarts qui sont énormes. Hein, il faut savoir qu'en France, par exemple, la somme qui est donnée par les communes par enfant et par an pour faire tourner une école, donc en dehors du salaire des enseignants, on est bien d'accord là-dessus, ça va de 10 à 120 euros selon les communes. Les communes les plus pauvres vont donner une dizaine d'euros par an et par enfant. Et les communes les plus riches vont aller beaucoup plus loin. Voilà, donc un écart aussi grand, ça fait des écarts de qualité d'enseignement et de qualité de vie pour les élèves qui sont tout simplement abyssales entre des communes riches et des communes plus pauvres. Ce serait quoi la solution pour réduire ces écarts ? La solution, ce serait qu'il puisse y avoir des dotations assurées pour faire tourner les écoles, qu'il puisse y avoir des compétences allouées aux communautés de communes, par exemple, qui soient très fortes au niveau des écoles, de manière à ce qu'on puisse mettre en place, par exemple, de la gratuité pour des sorties scolaires, des sorties sportives, des rencontres entre écoles, tout simplement. Pour une petite école comme celle que je gère avec les autres membres du CIV, il faut savoir qu'on a un budget d'à peu près de plus de 100 000 euros pour une école qui va accueillir 50 à 60 élèves. C'est un effort qui est hyper conséquent pour les communes. Chaque commune va verser à peu près 1000 euros par an, par enfant, pour l'école. Et il n'y a pas de cantine chez nous. On n'a pas les moyens d'avoir de cuisine centrale, on n'a pas les moyens de salarier un cuisinier, on n'a pas les moyens d'avoir ce genre de choses-là. Et du coup, il y a les parents qui vont amener le repas à leurs enfants avec tout un système de mise au froid, de contrôle de température qui est mis en place. Il y a tout un système qui fait que au niveau sanitaire, ça tient la route. Mais on n'a pas les moyens de mettre en place une cantine, c'est très clair. Le fait de réduire dans les écoles primaires le nombre d'élèves, est-ce que ça te paraît une bonne idée ça ? Alors ça, il faudrait poser la question aux enseignants. Évidemment, en tant que parent d'élèves, je pense que oui. Je pense que s'il y a moins d'enfants par classe, évidemment, les enfants seront mieux considérés, plus pris en charge, et peut-être que la difficulté scolaire sera mieux prise en charge, en tout cas, c'est ce que je le perçois comme ça. Pour avoir une éducation nationale efficace, de toute manière, il faut valoriser le métier d'enseignant, alors, par sa rémunération, bien sûr, par sa mission et par ses moyens d'exercice. Je pense que clairement, il faut donner aux enseignants les moyens d'accomplir leur mission dans les meilleures conditions. Ce qui est proposé de baisser le nombre d'enfants par classe me paraît une bonne solution. Moi, si j'ai ma fille dans une classe où ils sont moitié moins qu'aujourd'hui, je pense qu'elle aura de meilleures chances de comprendre, d'être considérée
et de rentrer dans les apprentissages. Après, la reconnaissance d'enseignants, c'est quelque chose de très bien. Et il ne faut pas non plus, du coup, oublier tout ce qui est revalorisation, on en a parlé tout à l'heure, de financement de l'école, mais également du financement des mairies, parce que peu de gens comprennent comment ça se passe, en tout cas pour l'école. Les dotations des mairies ont quand même beaucoup baissé, hein, avec la réforme de la taxe professionnelle, toutes ces choses-là. Et il faut savoir que c'est à la mairie qui accueille sur son sol l'école qui appartient, malheureusement pour elle souvent, qui doit l'obligation de gérer l'école en tant que bâtiment. Tout ce qui est CIV, tout ce qui est RPI, tous ces regroupements de communautés vont avoir à charge tout ce qui est périscolaire, personnel et puis matériel dans l'école. Mais tout ce qui est mur, isolation, entretien des bâtiments, ça incombe à la mairie en question. Et ça, ce sont souvent des charges qui sont énormes, notamment dans le rural. Ce sont des charges qui sont très lourdes. Et là, on va avoir encore à nouveau des écarts qui sont complètement incroyables. On peut le voir ne serait-ce qu'ici en Ariège, où on a des écoles qui sont absolument magnifiques. Je pense notamment dans la vallée de la Lèze ou vers Tarascon. Et puis des petites écoles rurales qui parfois feraient bien dans les choristes numéro 2. Le fait de baisser le nombre d'élèves dans les classes impliquerait pour nous de recruter 60 000 enseignants supplémentaires. Ça te paraît une bonne idée ? Ah bah, tout ce qui permet aux enfants de se sentir mieux et de mieux apprendre me paraît aller dans le bon sens, moi. Évidemment, je préfère que pour ma fille, que les enseignants qu'elle a aient toutes les cartes en main pour bien exercer leur métier, évidemment. Évidemment, je pense que tous les parents d'élèves sont pour ce genre de choses. Hein. Dans notre programme, on a aussi la révision de la carte scolaire pour garantir effectivement la mixité sociale. Alors, en ville, on comprend bien pourquoi, mais je pense que c'est très très important aussi dans le milieu rural. Tu peux nous en dire deux mots ? Ah ben oui. Ben, on voit qu'ici, par exemple, les écoles de fin de vallée souffrent de parents, et on peut les comprendre, hein, qui vont scolariser leurs enfants dans des écoles qui sont plus proches des villes parce que ça correspond plus à leur trajet tous les jours. Et du coup, ben, ça va créer des inégalités entre les écoles du secteur, parce qu'il faut savoir que pour le CIL et pour les structures qui gèrent tout ce qui tourne autour de l'école, en dehors du salaire des enseignants, eh bien, c'est en fonction du nombre d'enfants qu'on a notre budget. Et il faut savoir que dans les écoles, on a du personnel. Nous, par exemple, dans l'école où il y a ma fille, dont je fais partie du CIV, il y a une ATSEM et il y a trois animatrices. Voilà. Ça représente un budget conséquent. On a la responsabilité sociale aussi de titulariser ces gens-là, de leur offrir les meilleures conditions pour exercer leur emploi. On se veut employeur responsable, mais on est vraiment tributaire de ce que vont nous donner les mairies. Si une seule mairie dit demain, ben nous on ne vote plus votre budget parce que c'est trop élevé pour nous, on est obligé de renvoyer une ou deux personnes. Voilà. Alors ce qui se passe, c'est que quand des enfants vont se rapprocher des villes, ou quand les parents vont choisir leur école un petit peu comme ils le souhaitent, eh bien ça peut favoriser certaines écoles, mais ça peut vraiment défavoriser d'autres, qui sont tributaires du nombre d'enfants pour leur budget, et surtout ça va jouer à ce moment-là sur l'emploi local, très local même, du personnel qui va travailler dans les écoles. Donc en fait, il y a deux orientations, c'est promouvoir l'école là où elle est, c'est-à-dire en milieu rural, ou les regroupements. Alors voilà, ça c'est une politique, ce sont des politiques qui sont très différentes, et c'est vraiment une vision politique là qu'il faut avoir. Hein. C'est vraiment, parce que c'est vraiment une vision de la société. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut maintenir ou pas l'école en milieu rural, comme lien social, comme vision du service public, comme dynamisateur d'un territoire, comme participant à la vie de la cité, si petite soit-elle. Ou alors, est-ce qu'on veut faire des économies à grande échelle ? Et à ce moment-là, on va regrouper des écoles sur des cantons qui sont beaucoup plus gros, sur des villages beaucoup plus gros, sur des villes qui sont beaucoup plus grosses, pour mutualiser des moyens, ce qui peut être une bonne chose, mais on va laisser par contre les petits villages sans école. Il faut savoir aujourd'hui, nous on en a vu l'expérience avec le CIL, qu'une classe qui ferme, c'est facile, mais une classe qui ouvre, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Voilà, il faut beaucoup plus d'élèves qui arrivent dans l'école pour réouvrir une classe que pour la fermer. Mais tu comprends bien que pour la France Insoumise, on va choisir l'option numéro 1, celle de laisser les écoles dans l'endroit où ils sont et de favoriser effectivement l'ouverture et la réouverture d'écoles dans les milieux ruraux.
Le CIV donc, gère le matériel scolaire et le périscolaire. Oui. En termes de périscolaire, comment ça se passe dans les écoles rurales? Ben, c'est là que les inégalités sont les plus grandes, en fait, hein, parce que le périscolaire, ça coûte très cher. Et puis, il y a quelques années, on a eu la réforme des rythmes scolaires qui a été imposée aux communes, aux CIV, aux RPI, aux communautés de communes, et qui a fragilisé énormément de salariés dans les petites communes comme les nôtres. C'est-à-dire qu'on a des budgets qui sont vraiment tout juste à l'équilibre. Quand vous avez une réforme comme ça, qui vous demande de prendre en charge du temps de personnel en plus, de mettre en place des activités, et qui va gréver votre budget de 10, 15 ou 20%, c'est pas tenable. On ne peut pas demander aux communes de supporter ça en plus, déjà qu'on vote les budgets de façon très tendue. Ça nous a demandé des coupes extrêmement précises et une gestion extrêmement austère dans le budget juste après. Ça nous a bien mis dedans.